Dans le soir aujourd'hui, l'ULB se lance dans les cours en ligne. C'est vrai, c'est avec des podcasts, ça s'appelle, c'est le premier Massive Open Online Cursus. Le MOOC. Ça démarre lundi. Le 16 mars, voilà, des cours en ligne accessibles pour tout le monde et ce sera entièrement gratuit, il y a déjà plus de 18 000 inscrits. Bonsoir Nicolas Roland. Bonsoir. Vous êtes responsable de la cellule ULB Podcast justement, des cours en ligne, c'est vraiment nouveau pour l'ULB ? Alors non, c'est pas nouveau, ça fait 10 à 15 ans que l'ULB œuvre dans la création de cours en ligne au sein de l'université, en créant ça avec les enseignants, en créant ce qu'on appelle des dispositifs hybrides, c'est-à-dire des cours à la fois en présentiel, mais également avec du matériel qui se trouve en ligne. Alors il y avait déjà des podcasts, des vidéos pédagogiques, il y avait des tests à compléter en ligne. La nouveauté aujourd'hui, c'est que c'est ce cours, et ces cours d'ici l'automne 2015, sont entièrement ouverts à tout internaute qui souhaite s'y inscrire gratuitement. Et donc on attend beaucoup de gens. Je me rappelle que l'université de Liège avait fait un dossier là-dessus il y a quelques années pour une ancienne émission télé et eux avaient lancé ce système de cours filmés et donc est disponible en podcast pour les élèves qui durant leurs études doivent faire des stages et donc loupent les cours et c'est pour que le soir en rentrant du stage ils puissent regarder le cours qu'ils avaient loupé dans la journée. Et je trouvais que le système était vraiment intéressant, mais si maintenant ça s'ouvre à tout le monde, c'est vachement plus intéressant encore. C'est ça qui est bien dans l'idée. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que c'est aussi, on dépasse les simples cours enregistrés. Alors, les cours enregistrés, on en fait maintenant depuis 5 ans. Oui. Ici, ce ne sont pas juste des simples cours qui ont été enregistrés, ce sont de réelles vidéos pédagogiques. Donc, ce n'est pas tourné dans les amphithéâtres, on est avec les enseignants en studio qui vont scénariser leurs vidéos, qui vont les préparer, qui vont également préparer tout un parcours d'apprentissage avec des textes à lire, avec des animations, avec des tests. Ce sera interactif alors ? Ce sera entièrement interactif. Il y a également un forum, il y a des pages collaboratives où les apprenants vont pouvoir créer du contenu ensemble. Mm-hmm. Et on compte vraiment sur les 18 000, mais bientôt plus, personnes qui seront sur ce cours pour alimenter le cours, pour créer une réelle communauté d'apprentissage, et ici une communauté d'apprentissage de l'anglais. Nicolas, est-ce que ça n'incite pas les élèves à brosser les cours alors, s'ils peuvent les suivre sur Internet pendant la nuit, je ne sais pas moi. Alors ici, il faut vraiment distinguer les cours de l'ULB et ses MOOC. Alors l'intérêt de ces MOOC, c'est qu'ils seront réutilisés pour les étudiants de l'ULB, mais de manière un peu différente. Donc les étudiants vont devoir suivre ce MOOC en ligne et participer avec d'autres apprenants issus du monde entier. Et lors du cours, le présentiel reste, mais lors du présentiel, on ne sera plus axé sur du contenu transmissif où l'enseignant transmet son savoir, mais va plutôt être sur du contenu actif. On va faire des débats, des études de cas, répondre aux questions des apprenants. Donc il y a vraiment une plus-value à venir au cours et à vraiment débattre du savoir, à créer le savoir avec l'enseignant. Moi, je trouve ça vachement intéressant et donc c'est bien, c'est une très belle initiative, d'autant plus que c'est interactif et donc on peut participer activement et ça donne vraiment envie de s'instruire et finalement d'apprendre d'autres choses quand on est à la maison. Et c'est adapté aux nouvelles technologies qui font partie de nous finalement maintenant. Merci beaucoup Nicolas Roland d'avoir été avec nous. Responsable de la cellule ULB Podcast donc pour découvrir les MOOC, les Massive Open Online Course. On parle des plaques d'immatriculation dans le 5 à 7.